Bonjour et bienvenue sur One Up to Play. Aujourd'hui, on va faire un déballage de Axiom Verge sur PS Vita. Donc, on a eu la version Multiverse Edition qui est finalement sortie en Amérique du Nord. Et on va l'ouvrir. Zach, je peux te montrer l'intérieur du package, l'emballage un peu. Très belle pochette. Hein? Donc, quand même très grosse pour un jeu en Vita. Je sais pas s'ils ont utilisé la même pochette pour... Wii U, PS4, on dirait que ça pourrait fonctionner. Hein? Je pense que c'est le même genre de boîte. Donc, on va l'ouvrir ici. Je vais essayer de ne pas trop maganer la boîte. Je fais le plastique. Donc, Axiom Verge, un jeu que j'ai beaucoup aimé, que j'ai joué, j'avais acheté en version numérique, ça faisait longtemps que j'attendais. Un Metroidvania, donc un platformer 2D pixel. Genre de jeu vraiment. Idéal sur la Vita et sur la Switch. Hein. Il est sorti sur Switch aussi, sur Wii U, sur PS4. Oh! Le devant de la boîte. Non. Le derrière. Le dessus, le dessous, les côtés. Donc, ici, le petit feuillet qui se retire. Ça, c'est moins fun. Donc, on va ouvrir ça. Oh! C'est un poster. Tiens. On a ici un livre, The Art of Axiom Verge. Oh, c'est beau. Donc, des illustrations. Vraiment cool. Très beau jeu, hein, visuellement. C'est un de mes préférés sur PS Vita l'année dernière. Je ne sais pas si vous pouvez voir un peu, désolé. Donc, un petit livre ici. Papier glacé, je dirais une trentaine de pages. Puis à la fin, une photo de... De lui avec sa femme et son garçon. Créateur. Ici, on a... Un poster. Une affiche. Oh, avec la map. Ça, c'est une affiche. Ouais, fais attention, tu peux le montrer. Comme ça. Et l'autre côté, c'est la map. Pardon. Et là, à cause de la map, ça dit même sont où les boss. Ah ouais? Bon, moi je vais pas regarder. Boss. Ici, il y a un documentaire. Donc sur un Blu-ray. Wow! Un Blu-ray, ici, il y a un documentaire entre autres de 25 minutes sur le jeu. Une entrevue avec le créateur de 2 heures. Une autre vidéo qu'il joue à Axiom Verge, un speedrun. Donc, on a un disque ici, Blu-ray. Vous voyez, vraiment cool. Et la dernière chose, le jeu ici en cartouche sur PlayStation Vita. Donc, on essaie de mettre la main sur toutes les cartouches sur PlayStation Vita. Pas mal notre collection top à Vita, système ultime. Malgré le fait que tout le monde dit qu'elle est morte, elle est loin d'être morte. Donc voici. Donc une très belle édition. Hein? Ouais. Des beaux petits trucs. Pas trop cher non plus comme édition. Donc ça vaut vraiment la peine pour les fans. Si vous êtes capable, mettez la main dessus. Et oui, c'est un jeu que je vous recommande fortement.